On est une bande d'amis, en fait, et qui sommes passionnés par les orques de barbarie depuis longtemps. Et en fait, ça fait à peu près 15 ans qu'a eu lieu la première édition donc, de ce rassemblement. Ce qui nous rapproche, c'est le plaisir du bricolage. Et donc, ces rassemblements nous servent en fait à échanger des informations, puisque l'orgue de barbarie, c'est quand même un instrument qui était très technique. Et donc, on a besoin d'échanger. Un orgue de barbarie, c'est avant tout un orgue. Et de la même manière que son cousin, l'orgue d'église, il va produire le son grâce à des tuyaux. Alors, la particularité d'un tuyau d'orgue, c'est qu'il ne sait produire qu'une seule note. On devra fabriquer un tuyau de cette dimension pour produire, par exemple, ce ré. On fabriquera un tuyau plus court, plus petit, pour produire ce deux, etc., etc., suivant le nombre de tuyaux dont on aura besoin de notre instrument. Alors, un tuyau, c'est simplement un assemblage de planchettes qui sont collées. Voilà un tuyau qui a été coupé en deux pour les besoins de la démonstration, qui fonctionne encore. Voilà. Et on peut voir à l'intérieur qu'il s'agit simplement d'une boîte à la base de laquelle on a aménagé une sorte de sifflet qui va former une petite lame d'air qui va venir osciller autour de cette partie ici, de manière à produire une onde à l'intérieur du résonateur, de cette partie qu'on appelle le résonateur. Et le bouchon qui est à l'extrémité du résonateur ici va permettre d'accorder la note. On est à peu près, je dirais, 30-35 d'habitude. Bon, après, ça va dépendre de certains rassemblements, de l'endroit où ils se passent et des disponibilités des gens. Mais en général, on se regroupe en fait à une trentaine, 25-30 fabricants d'orgues de barbarie. Et donc, on est à peu près à une soixantaine de personnes en fait, à se retrouver comme ça avec les épouses. On se dit que les choses qui nous viennent, c'est vous que nous verrez. On irait. Tous ces facteurs d'orgue viennent de toutes les régions de France. On a ce week-end en fait 20 départements qui sont représentés. Et donc ça nous permet en plus, en allant de rassemblement en rassemblement, de faire du tourisme, voilà, de connaître des gens et voilà. C'est vraiment, vraiment un très très bon passe-temps. Il y a quand même beaucoup de trous. Hein. On va y arriver, on va y arriver. Eh ben, bravo, bravo. Elle a réussi. C'est juste. Alors, bon, en règle générale, on a quand même deux types d'orgues. Hein. Donc, il y a les orgues qui sont les orgues de base. On retrouve quand même pas mal là. C'est-à-dire que c'est des orgues entièrement mécaniques, avec des flûtes. Ou des hanches.
Bon, après, on va retrouver ce type d'orgue-là, où on a un certain nombre de registres, donc avec les flûtes normales, habituelles. Ensuite, on peut trouver des registres avec ce qu'on appelle des voix célestes, des flûtes qui sont accordées légèrement au-dessus. Et ensuite, on va trouver devant les piccolos, qui sont des flûtes qui sont accordées un octave au-dessus, avec ici en dessous, on va trouver des anches. Donc ce sont des orgues qui sont complets. Et là, en l'occurrence, on a 5 registres physiques. Donc la même note, on va pouvoir la faire jouer avec un autre tuyau qui est ici. Et la même note avec un tuyau qui est dessous, qui est une anche. Et donc pendant le jeu après, eh bien, on tirera sur ces registres à la manière d'un organiste d'église qui va permettre de donner une couleur particulière à notre morceau musical. Et en plus, alors certains, pas tout le monde, mais moi j'en fais partie, on rajoute de l'électronique pour faire une commande en fait informatique quoi. C'est-à-dire au lieu d'avoir des cartons, eh ben, on envoie les fichiers MIDI, donc avec un système, ici c'est en Bluetooth, mais il y en a certains qui utilisent des cartes à puce pour envoyer le fichier MIDI dans l'appareil et s'affranchir du carton. Parce que le problème du carton, c'est que c'est très volumineux et quand il faut se déplacer avec un orgue et les cartons, ça prend beaucoup de place. Sachant quand même que la majorité des orgues, même qui ont d'électronique, sont quand même capables de lire des cartons. Et on retrouve aussi une troisième catégorie, ce sont les petites, ce qu'on appelle nous les serinettes, c'est-à-dire les petits orgues qui sont entièrement électroniques. Alors là, c'est vraiment de l'électronique pure. Et ça marche soit avec un système comme celui que j'ai ici, soit avec des cartes à puce également, ou avec des cartes SD qu'on met à l'intérieur. Oh!